Parce qu'on veut nous faire croire que si M. Sassou n'est plus aux affaires, le Congo disparaîtra ou il y aura la guerre dans ce pays. Alors, nous montre que le PCT, avec le président Sassou en tête, n'ont jamais respecté une seule loi fondamentale et même une seule constitution. Je lance un appel solennel aux acteurs, aux partis politiques et associations d'y prendre part massivement, car le dialogue national est pour des responsables politiques que nous sommes. Sassou est à sa fin totale. Nous demandons simplement aux Congolais de rester fermes et déterminés. L'appel au dialogue, ceux qui sont préoccupés par le troisième mandat de Sassou, allez faire le dialogue. Le pays doit être en paix. Nous ne voulons plus de quatrième guerre au Congo. Les milices qu'il recrute vont se retourner contre lui. Ça au moins c'est sûr. Les mercenaires qu'il a menés dans le pays vont se retourner contre lui. Aujourd'hui, tout ce que nous voulons, c'est la paix. Voilà pourquoi ce dialogue est un atout et une chance pour le Congo. La paix, toujours la paix. Peace building qui fait partie des canons des Nations Unies de nos jours. Depuis 1997, le Congo a connu beaucoup de guerres. Nous devions construire. Bama kamonaya kilikulana adresse à la nation et ça la rana ba condition. Sassou a réunir ba condition ya rosa l'adresse à la nation te. Toboy makamwana. Atkende, rendez-vous na yena biso ya souka ezana août 2016. Atkende, asa komi mo bangi azo retraite na ye. Pardon, tout lembi quoi, atkende na ye. To pese merci. Ce que M. Sassou et le PCT nous présentent, c'est une image monocolore de la politique au Congo. Un dialogue organisé par le PCT, dirigé par le PCT, et qui ferait passer en force M. Sassou pour un énième mandat. Mais ce que je sache, c'est que Dieu est Dieu. Il va délivrer le Congo. Le Congo va être délivré de la main des dictateurs. Ça, au moins, c'est sûr. Brazza Paris Info. Tout le monde est d'accord, donc on a une mission Oyoboye, vérité pour les sans trucage. Hier, tu es en opposition, l'élo, tu es en partie congolais du travail Fédération France. Pendant tout ça, l'émission, suite, il y a une réaction, il y a le président de la République, son excellence Denis Sassou Nguesso. Donc, émission Oyoboye, on a déjà toujours Lucie Matima, Ayane Makita, on a Oslo. Dario Mayembo qui a repris le service aujourd'hui parce que Yuma Pamba Bataba Kissi Banga qui va lier pour Brazza Paris Info qu'on va quitter lui Makaveli Bokambro, Jérémy Clotaire le cardiologue canadien Yaya tozo maintenir toujours cap toujours au sommet Banganga na bango basi ba kufaki. Donc tout l'anda PCT France na émission Oyobwe ba pesa vie na bango en ce qui concerne le président de la République son excellence Denis Sassou Nguesso. Brazza Paris Info, notre savoir-faire est devenu une référence. Bah, journaliste, il y a mi qui est, il y a saleté, il y a Madoukou Tchekele, t'as la place aux Alites. Bon, moi, Daro Mayembo, c'est l'homme à la Porsche, lui, Makaveli Bokambro, mon bal à Mercedes. Bon, Daro Mayembo, ton côté à la Kati, ton développement solo, au Etali Mboka. Il y a ma ramoté à ma jeune talent, ma politicien mi qui est, au Etali Mboka, politicien confirmé, ton limite à ma jeune talent. Ma politicien mi qui on a ce que on brûler ma pronti politicien de l'ingibine le soir été. Oh et comme ma soula bata confirmé ma politicien confirmé. À très bientôt cher internaute. Voilà, aujourd'hui M. Sassou est dans la tourmente. Il demande le dialogue aux Congolais après avoir rencontré la minorité, la pire minorité des Congolais, et il se vante aujourd'hui d'avoir rencontré 400 personnes qui ne sont même pas représentatifs de la société congolaise. Et c'est à base de cela qu'il demande aujourd'hui le dialogue, qu'il décrète le dialogue pour la semaine prochaine. Nous, opposition, nous restons fermes. Fermes. La seule chose que nous exigeons, c'est le dialogue sur la gouvernance électorale. Uniquement sur ce dialogue-là. Pas d'autre. Il n'y a pas à manipuler les Congolais. Parce qu'entre-temps, il s'est mis à créer plusieurs organisations, il s'est mis à créer plusieurs associations pour que les Congolais soient piégés, qu'ils arrivent pour, et qu'ils soient mis en minorité. Pas question pour l'opposition congolaise de participer à ce pseudo-dialogue. Nous disons non, nous restons sur nos positions.
Et comme vous le constatez aujourd'hui, M. Sassou est un homme manipulé, totalement manipulé. Et un homme manipulé, c'est un danger de plus pour les Congolais. Il est manipulé parce que la manière par laquelle il a convoqué le dialogue n'est pas normale, n'est pas saine. C'est de la manipulation. Aujourd'hui, nous savons que derrière ça, il y a les Aïssa, il y a son monde qu'il veut sauver. Mais Sassou est à sa fin totale. Nous demandons simplement aux Congolais de rester fermes et déterminés. L'appel au dialogue, ceux qui sont préoccupés par le troisième mandat de Sassou, allez faire le dialogue. Mais nous, les Congolais, l'opposition, nous restons fermes et déterminés. Nous disons non. Non, non au dialogue de M. Sassou. Oui, pour l'arrivée de M. Sassou, il faut être clair. Sassou ne vient pas ici pour... il vient simplement ici, c'est pour le climat, parce qu'il y a une réunion qui est prévue en décembre. Il vient pour la crise africaine. Mais hors de ça, la position de M. Hollande, de l'Elysée, n'a pas changé pour son départ. Aujourd'hui, nous avons travaillé et nous continuons à travailler pour que M. Sassou soit partout où il passe, qu'il sache que son message ne peut pas passer, qu'il ne reprenne pas aujourd'hui la société congolaise, qu'il ne reprenne pas le peuple congolais. Donc, nous avons envoyé des courriers partout, à l'Elysée, vraiment partout. Donc, nous lui réservons un accueil ici très fort. Nous serons mobilisés pour dénoncer toutes les pratiques de M. Sassou. Aujourd'hui, nous avons des réunions, nous participons à plusieurs réunions pour organiser cette arrivée et nous serons présents pour marquer et protester contre l'arrivée de M. Sassou, pour protester contre tout ce que M. Sassou fait au Congo. Donc, ce n'est pas, je répète bien, ce n'est pas une victoire de M. Sassou qu'il soit reçu par Hollande aujourd'hui. Cette mission qui est faite là, c'est une mission simple, mais vous constatez vous-même que Hollande, et si Sassou ne change pas de position, vous verrez que tout le mandat de Hollande, Sassou ne descendra pas au Congo. Et il va dans d'autres pays, mais jamais le Congo. Donc, nous continuons toujours à faire pression. Donc, le peuple doit savoir que ce n'est pas une victoire pour M. Sassou. M. Sassou n'est pas reçu parce qu'il il fait des bonnes choses ailleurs, mais simplement parce qu'il a son avis à donner comme pays pour le climat. Et la crise centrafricaine qui ne fait que envenimer. Donc, nous restons très fermes. Nous allons nous retrouver jeudi pour organiser ces retrouvailles-là. Et le 7, nous ferons une grande manifestation à Paris ici pour dénoncer l'arrivée de M. Sassou, pour dénoncer le pouvoir dictatorial de M. Sassou, pour dénoncer le pouvoir sanguinaire de M. Sassou. Merci. Juste Prudent Soko, secrétaire chargé de la communication et porte-parole de la Fédération PCT France. Je réagis au propos du président de la République suite à son discours à la Nation du 30 juin dernier. Discours très émouvant, discours qui a donné l'architecture de la faisabilité du dialogue national décidé du 11 au 15 juin. Je lance un appel solennel aux acteurs, aux partis politiques et associations d'y prendre part massivement, car le dialogue national est pour des responsables politiques que nous sommes le rencard des républicains. J'entends dire ici à Paris, pour certains qui appellent au boycott, ceux-là pensent que la politique se fait dans la rue. Dans la rue, on ne peut pas orchestrer, organiser, orienter une politique. La politique ne se fait pas dans la rue. Donc voilà pourquoi je lance un appel solennel à nos compatriotes qui sont organisés dans des partis politiques, associations, l'opposition congolaise responsable, d'y prendre part massivement. Le dialogue national, c'est un moment important et intense de la nation congolaise.
une nation qui se veut responsable, une nation qui prend en charge la préoccupation de ses enfants, une nation qui se veut unie, une nation qui est debout. Voilà pourquoi ici à Paris, nous faisons en sorte que les militants du Parti Congolais du Travail, qui ont suivi le discours du président de la République avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention, font en sorte que le message soit répandu dans toutes les sphères de la communauté de notre nation, ici en France. Donc voilà pour moi le message qu'on avait à passer en ce jour, afin que les Congolais prennent conscience des enjeux de chez nous, qu'ils prennent conscience de la vraie réalité politique qui est celle du dialogue national. Merci. Ngai lobitan on a monaki que baro koma que Sassou a reçu l'adresse à nation dans le but est possible te parce que constitution il prévoit nanyo anate adresse à la nation anate constitution il prévoit adresse à la nation la veille ou l'avant-veille à 15 août na fin d'année et sili na ce qui crise à makase zali oui à koki koya kolobana mais tout ça na quelle crise crise yé a utilisé les 10 techniques de la manipulation a zwabiso et loko moko a créé yango après ça biso besoin pour na lokabiso solution mais on il faut zale loka kitoko toyoka ke oui si koya ko ya ko pesa biso mai a ko pesa biso courant a ko pesa biso ba système éducatif ya kitoko comme kota nanyo internet et comme kota la biso ba makambo ba isalaka ba ninga na bamboka na bango et ba développer ke bloke même ma développement na bamboka ma oya ko lobana biso nini tokende gouvernance électorale na renforcement ba institution mais ngana na moni président sortant a zwa décision ya ko organiser bloc wana te et aliété toza na constitution dengni ni élection roleka to moni que connel na yona chaki wana ya connel a munyato est-ce que tu comprends un peu na nyo commission technique ba ko décider nani a rozala wana dengni to salana to sa fichier électoral corps électoral et salama est-ce que tu comprends tango moyen surtout que la biométrie est atteinte mais tokoka ko sala biloko ya propre ya ndenge baninga basalaka eza la problème te ba nigérien ba utyo sala élection na kacha ataka boko ya ram ya passe ba sala yango alternance pe salami to moni yango mais prendre sa soi à chaque fois ce qui il faut allons la pouvoir comme makambo na 92 ya kindenge wana auto que des transitions auto que des dialogues est-ce que tu comprends à cause ça assume na emoko monyato au ba président bato tout ba kufa maki na Congo depuis indépendance ti na o yemoka boma ba mariangwabi ba nanyonyo so wana a ko assumer assumage ya fo wana on est à quoi assumer te moto so ko assumer makambo eza iso ko salangote na 97 a salibiso nini a meme biso ba paya ba angolais ba rwandais ba tchadien na bénédiction ba français pwana aya ko boma bana ya mboka na yemoko mais ça soit ko lukabiso nini biloko yero kene pwani ko créer ba crise ezate tulingi wana te a sala kaka ye élection et sala ma corps électoral est posé élection et sala ma to kene ba élection a zo nanyo tala ko tala ye balobia ko yaka du 5 au 7 a rozala reçu par Hollande le 7 à partir à 15h, Emmanuel Valls, premier ministre, va recevoir rien à 17h. Oui, bien, pendant le banin, pendant le banin, il y a le climat, il y a Centrafrique. Le débat est autour de la wana. Et ça, autour de la changement de la constitution. Batonaye ba okeno tia kuna ke Hollande a recevoir ye makambo kilikili mais France la qui se réserve par rapport na makambo na ya changement à constitution mais naibi pete po nini Hollande ngope a ko ya ko pesa ye 2 heures de temps mobimba pona ko yoka ba makambo na ya kilikili ko ya ko loba na ye wana Hollande a pesa biso pe position ya clair parce que makambo a kilikili to lingite o recevoir ye pona ko créer crise centrafricaine ya nini a loba ngona ministre affaires étrangères à France on est allé sous ministre affaires étrangères à France Arosala Emmanuel Arosala président compte rendu mais ko ya ko recevoir biso sanguinaire moko boye batonaye ba ya ko faire croire biso na ba laboratoire na bango akili kilo wana le susu que eza parce que moto wana sa soit na makasi nde Hollande ko recevoir ye te to lingi makambo wana te mais soka ko ya ka wape aye ba ke biso to ko accueillir makasi to ko comme la Hollande aye biso biso position na ye ya clair na sasu parce que moto a na mosala musu te ka ko bomaka ko nyoko la ka peuple na ye talako mboka mobimba ba ko kote sango siko ba ko tondi sa biso ngo ba caméra de surveillance pona ko sane opesi maite opesi courante peuple na pasi
okay, nous tirons sur la caméra de surveillance. Pendant qu'on s'en mon collègue a toujours inauguré rempoi à Mungali. Kuna, kamwa rempoi, moi kamo ké. Il y a vraiment moké. Dégage mon collègue, kamo mikié. Blanc, penza mikié wana. À quoi inaugurer on a Mungali? T'as un dégage à bloquer les sous-circulations. Na kachia wana, moi c'est azemi aza. Na kachia wana, motaza na passe aza. Na kachia wana, ba taximan ba vie économique ko s'arrêter. Dégage ba wara ba sala galoko vendredi, ba jour à vendredi. On a soyez ba oké ne ba mosquée na ba on dégage ba paralysé. Kabiso économie sasu mosala na epeka ko paralyser kabiso économie sokaro longola point a pona okene point b yanini ako rapporter biso nini et puis président sortant ba makambo ya ko renforcer institution italienne na yo ka tiri mungala kuna na kati ya débat ako ya ko le bana biso nini ote ce qui to changer bloc wana tem za président assemblée oyero ya ka musu sona moto ya président assemblée ce qui voté ba loi na été rebloqué ah bon assemblée soko za congolais au député aux congolais au vrai pour na congolais pour na congo au que nous bloquer ba loi institution au développer mboka nayo mais wana ya quel raisonnement tarabati kapso ba makamuna bangwa kili kiliona azui aller en allocation aller à quoi là au ba benga ka cerveau bleu soko cerveau noir wana azui en allocation a que nous perturber que débat ko lobana bana que mindele moto ba ko nyoko la biso mindele ah bon tant que ça soit que nous retient ba mboka nayo pas mindele Eza peuple motalo bara na ebongo te ba chikapse ba deba kilikilana ba makamona ya kilikilana adresse à la nation et sala kana ba condition sasu a réunir ba condition ya ko sala adresse à la nation te to boy makamona atkende rendez-vous na yena biso ya soukeza na août 2016 akende asa komi mo bangi azo retraite na e pardon to lembi quoi akende na e to pese merci Tasi koyo Hollande a Hollande ba président baza peu près potable en Afrique a okene Benin Benin président béninois lobi ya ibo tanga constitution et ko permettre à sa troisième mandaté Cameroun bon on a peut-être attaqué Boko Haram koko on a vanda kuna nga ka changement te Hollande mo ka ibi panya ko kende kuna mais Angola Azawana a aussi un développement certain. Baninga ba romana taux de croissance c'est comme mata nanyoana. Mais hier si ko sasu motaro ya Hollande et Hollande. Ndinga Hollande yona ba point à l'ordre du jour wana. Ya ba makambo ministre de l'économie, ministre de la finance, ministre des affaires étrangères a selango compte na homologue né ministre Mosusu. Mais hier a longo la braza na bambongo na biso ko yaka na poto ko mona Hollande ko sala role ya ministre ya muke asalaka ye president Mobimba ya landa president Mosu pona ko yako sale ba contre Dieu ya monya to ndengo wana tanga moto boy oya president moko asako mi alerte si limita ko zoba ya buzobe sele kelie alongo la kende merci nae voilà l'orientation salutaire de son excellence Denis Sassou Nguesso président de la République pour le dialogue s'inscrit dans le cadre des canons des Nations Unies qui, dans un premier point, parlent de peace building, c'est-à-dire la construction de la paix. Construction de la paix, consolidation de la paix, confortation de la concorde nationale. Cependant, il y a un deuxième aspect dans cette orientation du dialogue du chef de l'État. L'Afrique, dans sa civilisation et son anthropologie, a toujours palabré, dialogué. Le Mbongi fait partie de notre civilisation. Il a eu bon de renvoyer le peuple vers un dialogue. En Afrique et au Congo, on dialogue lorsqu'il y a une naissance, on dialogue lorsqu'il y a la mort et on dialogue lorsqu'il y a le mariage. On dialogue pour organiser la société et on dialogue dans les aspects vivifiants de la famille, de la société d'un pays. Voilà pourquoi cette orientation du chef de l'État pour le dialogue s'inscrit dans cette dimension. Cependant, les opportunités, les atouts d'un tel dialogue nous envoient et nous orientent vers une reconstruction nationale, vers un contrat social, vers une refondation des institutions, vers un concept de, comment dirais-je, de mobilisation de des citoyens et éventuellement d'une refondation globale de notre nation. Voilà pourquoi ce dialogue est un atout et une chance pour le Congo. La paix, toujours la paix, peace building qui fait partie des canons des Nations Unies de nos jours. Depuis 1997, le Congo a connu beaucoup de guerres. Nous devions construire, consolider la paix et surtout raffermir les liens entre les diverses couches de la société, c'est-à-dire nous reconstruire. Voilà, grosso modo,
les opportunités et les atouts d'un tel dialogue dans l'histoire et dans cette mutation actuelle de notre pays, le Congo-Brazzaville. Bon, alors, j'ai un message adressé au peuple congolais. Dans ces jours très douloureux où la situation de notre pays devient de plus en plus chaotique, nous venons d'attendre le président de la République qui vient de faire une déclaration à la télé congolaise pour nous appeler à un dialogue à Ouesso, donc à plus de 1000 km de Brazzaville. Ce dialogue, après un échec lors des consultations qu'il a organisées dans le pays, et toujours dans ses méthodes de ruse, il pense qu'en invitant les Congolais à Ouesso, c'est une solution pour régler le problème de notre nation. Il s'agit notamment de problèmes des institutions dont il parle. Il s'agit de problèmes de la gouvernance électorale. Mais à ce que je sache, le pays n'a pas un problème si ce n'est qu'une crise qu'il a créée lui-même. Cette crise, c'est lui qui est l'auteur de ça. Cette crise, elle est d'abord une crise de mauvaise gestion de la nation. Elle est une crise de la constitution que lui-même, il a érigée. Il a géré le pays pendant deux mandats avec cette même constitution. Aujourd'hui, elle devient mauvaise. Bon, alors donc, pour nous, il n'y a pas de dialogue dans ce contexte-là. Le président Sassou doit tirer les leçons. Il a géré son pays. Autant où il a voulu, il doit maintenant partir sans condition. Il n'a pas imposé les gens, a menacé les gens, a imposé une logique qui ne cadre pas avec l'État moderne. Nous sommes en démocratie. La démocratie, c'est la paix. La démocratie, c'est la justice. La démocratie, c'est la liberté. La démocratie, c'est les droits de l'homme. La démocratie, c'est le dialogue, c'est la solidarité. Mais on ne peut pas continuer à tétaniser le pays. On ne peut pas continuer à menacer les gens. On ne peut pas continuer à se comporter comme si on était dans un État l'État où les dirigeants, les mercenaires ont mené la guerre dans les nations, où les tyrans ont terrorisé les peuples. Nous ne sommes plus dans ce temps-là. Ce que nous demandons au président de la République à cet instant, c'est de prendre ses responsabilités de la manière dont il a géré le pays et qu'il tire les leçons du passé, parce que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est ce qu'il a fait en 2002. C'est ce qu'il a fait en 2009. Et il a toujours conduit le pays à la veille d'une élection dans un climat de terreur, dans un climat de panique et dans un climat de peur. Et nous ne voulons plus ce climat, nous ne voulons plus cette attitude dans notre nation. Nous demandons donc au président de la République, à cet instant et surtout maintenant, de tirer les leçons, de sortir par la grande porte comme la plupart des grands démocrates l'ont fait. Il a fait son temps, il a pu faire ce qu'il a pu faire pour le pays. Maintenant, le peuple congolais peut lui être reconnaissant s'il prend les bonnes décisions. Nous savons aussi que ce qu'il est en train de faire, c'est provoquer une quatrième guerre. Parce que nous avons les signes, de l'odeur de cette guerre. Cette quatrième guerre s'illustre par le recrutement des miliciens. Il vient d'en recruter, il y a un mois à peine, dans la région des plateaux, notamment à Abala, à Bundji, à Oyo, à Gamboma, et puis éventuellement à Olombo. Il venait d'en recruter à Dolizi. Bon, alors, donc, on ne peut pas construire le pays avec la violence. On ne peut pas construire le pays avec la guerre. On ne peut pas Il parle de la paix, il se dit médiateur international. On ne peut pas être médiateur international sinon si on n'est pas un bon dirigeant chez soi. On ne peut pas le balayer devant la cour de l'autre si on n'arrive pas à balayer chez soi-même. Donc nous voulons qu'il montre ses qualités de médiateur dans son propre pays où il doit ramener la paix, il doit sortir par la grande porte, il doit nous laisser le pays en paix. Le pays doit être en paix. Nous ne voulons plus de quatrième guerre au Congo. Les milices qu'il recrute vont se retourner contre lui. Ça au moins c'est sûr. Les mercenaires qu'il a menés dans le pays vont se retourner contre lui. Aujourd'hui,
Tout ce que nous voulons, c'est la paix. Nous voulons la paix, nous voulons une alternance démocratique, nous voulons un changement pacifique, nous ne voulons pas de guerre dans notre pays. Donc, pour ceux qui s'activent pour participer à ce dialogue, nous leur disons, ils tireront eux-mêmes les conséquences, parce que ce dialogue, c'est une ruse, c'est un mensonge, c'est une manière de conduire le pays vers un désastre, et la crise, elle n'est pas loin. La haine n'est pas loin, le pays va s'enflammer. Donc Denis Sassou Nguesso, qui est notre président de la République, doit tirer les conséquences de ce qu'il est en train de faire avec son groupe, avec son clan, notamment les quatre bonhommes qui sont autour de lui, qui s'agitent, qui recrutent les mercenaires, qui recrutent les cobras qui, hier, ne voulaient plus de guerre, il les a encore réinsérés, moyennant une somme d'argent, comme ce pouvoir s'est bien corrompu, simplement parce qu'on veut détruire les Congolais. Mais ce que je sache, c'est que Dieu est Dieu. Il va délivrer le Congo. Le Congo va être délivré de la main des dictateurs. Ça, au moins, c'est sûr. Donc, pour vous qui êtes engagés à ce dialogue, pour vous qui avez l'habitude de trahir, pour vous qui avez la facilité de vous laisser corrompre, ceux qui partiront à Ouesso, ils assumeront eux-mêmes les conséquences. Parce que de toute façon, s'il y avait un dialogue démocratique, il doit se faire à Brazzaville. Ce n'est pas Ouesso. Ouesso n'est pas le lieu indiqué. Donc la population de Ouesso doit faire tout comme celle de Djambala qui ont refusé ce dialogue. Donc vous ne devez pas accepter le dialogue chez vous. La guerre a commencé au Rwanda en 97. Mais en 2015, elle ne doit pas commencer à Ouesso. Vous devez éviter d'embraser cette région. Vous avez des problèmes économiques, vous avez des problèmes sociaux, des problèmes sociaux, vous avez les difficultés pour résoudre, pour vous en sortir. Mais ce n'est pas la peine de chercher à ce qu'une guerre soit déclenchée dans votre localité. Nous interdisons toutes ces manières, ces comportements, cette façon d'agir, de gérer le pays. Nous n'en voulons pas. Le peuple congolais debout aujourd'hui pour un non, pour un rejet total à ce dialogue. Et je vous remercie, je compte sur votre maturité, votre lucidité. Donc que le Congo soit béni et que la main de Dieu soit sur le Congo, je vous remercie. Je suis M. Kodianga Saki Espérance, responsable de la communication du PCT Comité Île-de-France. Je voudrais effectivement faire un appel solennel aux partis d'opposition, à la société civile, de venir participer massivement du 11 au 15 au dialogue que le président de la République, le camarade Denis Sassou Nguesso, a initié. Et je pense qu'il est important pour notre pays, parce qu'on est tous des Congolais, de faire de telle sorte que nous puissions trouver ensemble un compromis, un consensus, pour que le pays puisse aller toujours en avant. Voilà pourquoi il est nécessaire, il est primordial, je dirais même capital, pour que le Congo puisse rester toujours en paix. Parce que je tiens à vous signaler que ça fait 13 ans que le Congo n'a pas connu la guerre. Le Congo n'a pas connu des problèmes. Un Congolais qui est de Pointe-Noire peut partir de Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville sans s'inquiéter. Voilà ce qui est important. Voilà le travail du président de la République qui est en train, effectivement, de bâtir, en train de construire pour notre pays, et on voit comment notre président et également au niveau de la CEMAC essaie de faire de telle sorte que les pays de la sous-région, c'est-à-dire je parle du Centrafrique, je parle du Tchad, pour que ces pays-là puissent entre autres rester dans la paix, parce que quand ces pays-là sont menacés, nous également le Congo on est menacé. Mais je reviens, ça c'était entre parenthèses, je reviens pour insister là-dessus, faire appel toujours, et je le dirais, à des partis politiques vraiment de venir massivement, de venir assister au dialogue pour que demain et après-demain, nous puissions avoir des jours meilleurs pour la République du Congo, qui est notre terre d'avenir. Je vous remercie. Avant tout, je voudrais remercier Brazza Paris Info pour le travail qu'il fait et d'avoir bien voulu nous associer à cette plateforme d'échange sur la construction de notre pays, le Congo. Je voudrais apporter la position du MCCD
sur les questions brûlantes d'actualité, les questions qui minent notre pays en ce moment. Nous savons que la dictature de Brazzaville vient de convoquer un dialogue de manière exclusive. Le président Sassou, en convoquant ce dialogue de manière unilatérale, a lancé non seulement un défi à notre peuple, mais aussi est arrivé à montrer à l'opinion internationale et à l'ensemble du peuple congolais qu'il dirige le pays en exerçant un exercice solitaire de pouvoir sans tenir compte de l'entente, de l'opinion de l'ensemble de notre peuple. Ce dialogue est en effet une supercherie qui montre une fois de plus que le PCT veut faire un passage en force contre l'opinion du peuple, l'ensemble du peuple sous-entendu, parce que qu'avons-nous ? Ce que M. Sassou et le PCT nous présentent, c'est une image monocolore de la politique au Congo, un dialogue organisé par le PCT, dirigé par le PCT, et qui ferait passer en force M. Sassou pour un énième mandat. Ça fait des décennies que le PCT et le président Sassou exercent ce pouvoir. Et aujourd'hui, le président Sassou n'a plus d'opposant naturel en face. Les opposants qu'il a en face de lui, ou l'opposant qu'il a en face de lui, c'est l'ensemble de son peuple. Et en posant ce genre d'acte, il assumera les conséquences, car il va affronter son peuple cette fois-ci, un peuple jeune qui n'a jamais goûté le goût du sang, et qui réclame plus de justice, plus d'équité, et qui ne connaît rien de la violence. Ce passage en force et les messages induits qui ont toujours trait à la violence une fois de plus, parce qu'on veut nous faire croire que si M. Sassou n'est plus aux affaires, le Congo disparaîtra ou il y aura la guerre dans ce pays, alors nous montre que le PCT, avec le président Sassou en tête, n'ont jamais respecté une seule loi fondamentale et même une seule constitution. Donc la constitution va être violée une fois de plus. Et au niveau du MCCD, le noyau central du MCCD attire l'attention de l'opinion internationale, du peuple congolais, que M. Sassou a en face, lui, son peuple, et il l'affrontera. Il va affronter son peuple. Et nous allons mettre tout en œuvre pour faire échouer ce coup d'État, une fois de plus, que M. Sassou organise dans ce pays. Non content d'avoir détruit ce que Dieu a mis en place, un peuple, une nation, M. Sassou veut une fois de plus reformater l'image du pays, ou notre pays, à son image, en violant la Constitution, en détruisant son peuple et en détruisant la cohésion nationale. Parce qu'ici, il s'agit de la cohésion nationale. On ne parle pas de paix, parce que seul le PCT a le monopole de la violence et ça a été démontré. Ça fait 17 ans que M. Sassou est revenu au pouvoir. On ne parle plus jamais de coup d'État, on ne parle plus de violence. Ça nous montre de quel côté se trouve la violence et qui en a le monopole dans ce pays. Donc, il est encore temps que M. Sassou et le PCT tiennent compte de l'opinion du peuple, de l'ensemble de notre peuple, pour éviter que le pays ne sombre une fois de plus. Parce qu'il a en face de lui des jeunes déterminés qui veulent le changement et un changement fondamental. Peuple congolais, il y a un détail très important. Le président Denis Sassou Nguesso, il aime tromper la vigilance du peuple. Il vient à Paris pour croiser Hollande, mais pour des points bien précis. La crise centrafricaine, le réchauffement climatique et le problème des sécurités. Concernant le changement de la constitution, Hollande est ferme. Il a réitéré à Dakar, à M. Sassou, qu'il sera intransigeant sur cette question-là. Donc, ne pensez pas parce qu'il vient à Paris qu'il est la bienvenue. Et même, ça sera aussi une occasion
une occasion pour le président français de réitérer encore ce qu'il avait déjà dit à M. Sassou à Dakar. Donc ne vous laissez pas, ne soyez pas dupes, ne croyez pas qu'il vient ici parce qu'il est le bienvenu. Non. Il vient pour des points précis, bien précis, pour venir rendre compte au président français de la gestion de la crise centrafricaine. Je vous remercie. Peuple congolais, na lingina éclaircir bino likambo moko boy. Papa Sassou, monsieur Sassou, mesanana le kuta. À cause bino que yagoyaka awa pona makamba constitution ezalo kuta ba point ezali bien précis. Si vous ken agence France boko mona ba éléments et na makambo tout ordre du jour ezali bien mentionné. Car oyaka pona makamba climat. Ah ouais, pour la crise centrafricaine, ce n'est pas pour la constitution. A Tindi Diaba, on a parié à Bakota Banganda pour galvaniser la troupe, pour la bambon, on a battu pour la bambon, pour la bambon. Mais Michel Royak, on a ministre, quoi, on a salangoti. Il y a un salambon pour la Atalana. C'est parce que on a souffert un mal-être. Président français, on a eu un Afrique. Pourquoi on a Congo, on a Angola, on a Cameroun, on a pays. Parce que la France a eu une attitude ferme vis-à-vis de lui, dans la politique, n'est-ce pas? Bah il y a ça qui Dakar, bah il y a ça qui est Awa, que Makambo a changé constitution, bah français Hollande a le bien opposé à un président Barack Obama. Donc bah campagne à Rosalana, ils ont le coup d'arrêt, ils ont battu un bon moment, bah Mindela Mikke, bah Yakakuna, bah du bah hors du jour de Moussou Awa, bah comment qu'on s'abîme que Bomoni, bah comment il y a un président français. Mais ils ont le coup d'arrêt, bah qu'on y ambe pour la Makambo crise, sont en fin de bagon gala même naïe, à gérer que crise en gros vraiment bé. Il y a même des éléments compromettants, où bah qu'on le banait en face. Comme les actes diplomatie. Mais pour le reste, c'est pour la Makamba Constitution, le président Hollande a un transjugeant dans le Kambouana. A l'obaki na yé et a répété en Golisus. Pas de succession familiale, pas de modification de la Constitution. Donc, le cinéma, c'est ça, il y a un jeu dans le PCT, il y a un distraire le peuple. C'est tout. Nous avons même budget à diminuer en Golisus. Mbongoana, à diminuer en Bongo, à Luka, à Kabana, à Ningana. Politique, c'est ça, il y a un Kala. On va cause que baba opposant mais basal ensemble bon baba on inga retraite na bango ezala bien maintenant na ba jeune ezaba ninga bana naye o batala ka passer basala ka ba ninga sala te ba ninga ba mbonga facile na okomona bango ba kotonsa ba avion pona okene kuna ezaba vrai ba opposant te vos opposants à Paris à côté le colonel dans le Kambouana te ata opposant mon subo moni opposant na bon dimate ka za opposant à Paris awa mingi ba kote opposition ka pona combo pona le koso à mbongo pona ko prêter flanc na gouvernement to boyi ba to bongo na kati opposition na biso e ba to ba ko kende kuna ba ko zonga lisusu na kati opposition te parce que biso ne so bo moninga na ndeko John Benit bo moninga na ndeko na biso a mwasi Sadio to na position commune to sangani to sali réunion to lobby hors de question to ko fanana Sasuka ka soka ka lobby ka komo zonga sa biso pouvoir soka ka lobby que bon na lembi monda na commune na suka na lembi ko sala ba élection on sala boyi ka to fanda bongo ndenge ni to ko sala nga na komo kende na komo tika bino ba fungula mboka wana biso to ko kozwa to yiko mona yepo na pesa biso fungula mboka mama kambuna mi kam biso to koli to komo ko ba 50 ans akwa mbruye biso depuis kala ako donc sa biso sima pendant ka enrichir banane a pesi ba banane mamba na ba poto partout na ba famille na ye akomo ngo ko sabato mais a kenene na malembe 9 mois ou 10 mois moto sérieux a bani même ko sala ba élection te a préparé même pas ba carte a le bana bato que ba kenne dialogue na bo ba kontima ngo vraiment. Et Zali passe mingi. C'est bien beau de vanter les doctorats, mais le doctorat n'a pas été Zali Wapi. Nous n'avons pas été doctorat n'a pas été Zali Wapi. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, mais vraiment c'est regrettable. Mais il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a si vous avez bâti, moi ça vous fait saluer. Ah, papa, il n'y a pas mon conduit. Il y a un sac qui est négligé. Ça sonne moi, mais il y a un temps qui est négligé. Il y a un temps qui est après, il y a un sac. Aujourd'hui, si ça soit persisté, il y a un comportement parce qu'il a la ferme conviction que les hommes politiques sont un peu léger. Et le lobby est jeune, malgré que le lobby est un peu léger, que le lobby est en maturité politique, que l'accès est une fois de plus que tu es sérieux, tu es cohérent dans ton comportement. À ta jeune, tu es sérieux, 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 t